بسم الله الرحمن الرحيم <applause> السميع من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique et nous avons essayé de commencer et parler réellement de plusieurs points et nous sommes arrivés à ce stade de la prophétie la science passée et nous avons essayé de définir la prophétie et effectivement la nécessité de la prophétie et des prophètes et aussi la quintessence réellement de et la révélation qu'est ce qui veut dire effectivement la révélation et nous avons essayé aussi de vous expliquer réellement euh, quels sont les besoins de l'être humain à la révélation et nous avons dit que ces besoins sont tellement importants que allah subhanahu wa ta'ala a choisi ou choisi parmi les êtres humains des élus hein, des êtres humains exemplaires dans la société accepter de tous et essayer de les envoyer pour communiquer ces règles et ses lois pour pouvoir mettre ces sociétés en équilibre. Nous avons dit que vous voyez que la création d'une personne ou d'un être humain euh, provient d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il est le créateur de l'univers, y compris les, les êtres humains. Elle aussi, l'être humain, nous avons dit qu'il est le, au centre de... La construction de ce monde, et aussi il y a des djinns, mais l'être humain est au centre de la construction de ce monde. Il façonne l'environnement aussi, tout ce qui passe, effectivement. Les djinns, nous avons les djinns parmi nous, hein, effectivement, mais euh, nous ne pouvons pas seulement que aucunement prouver les résistances que par le Coran. Et le Coran nous interpelle pour nous dire qu'ils existent, parce que le Coran nous dit. Je n'ai créé les djinns et les hommes dans le but seulement qu'ils puissent m'adorer. Et cette adoration s'est fait dans une, dans une règle bien définie. Et la société que, dont il est question, cette société se construit dans un cadre sain et aussi équilibré, et géré par une loi, une loi qui est dictée par... Le créateur de l'univers et qui ne peut être celui-là même qui qui doit dicter ses lois ne peut être réellement de ce créateur-là que ce créateur qui connaît l'être humain que lui-même parce que l'être humain il est une créature aussi très complexe que lui-même jusqu'à nos jours n'arrive pas effectivement à comprendre sa propre existence et sa composante et tout ce qui compose l'être humain. Et les phénomène qui' qui se, se manifeste au sein du corps et l'esprit de l'être humain l'être humain aujourd'hui jusqu'à nos jours est incapable de dire totalement tout ce qui renferme la création de l'être humain c'est sa propre création il est incapable donc la question revient effectivement à celui là même qui est le créateur de l'univers et l'être humain y compris et de dicter une loi une loi qui puisse être une cause réellement, puisque l'être humain, nous avons dit qu'il est condamné à vivre dans la société. Il est social et sociable à la fois. Et effectivement, il a besoin, pour qu'on puisse vivre en société, nous avons besoin du respect de l'autre, parce que l'être humain, il est de nature oppresseur, parce qu'il ne veut que sa personne, protéger sa personne, protéger sa fortune, et tout ce qui est lié à sa personne. Donc, en réalité, ça peut l'être humain amener vraiment à être un tyran, un oppresseur, sans les règles de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette règle, effectivement, lorsque vous essayez de mettre en face l'être humain, souvent il arrive à comprendre une bonne partie de ces règles. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'injustice est bannie dans la religion musulmane, est considérée comme un péché, L'être humain, effectivement, il comprend qu'est-ce qui veut dire l'injustice et l'oppression. Il comprend généralement le procès et il bannit, il radique et il refoule l'injustice, etc. Même sans la prescription divine, l'être humain de nature refoule et rejette l'injustice. Donc, le Coran vient et fait la part des choses, nous enseigner pour dire que de telle, telle manière que vous êtes. Vous euh, rejetez, vous donnez, vous n'aimez pas l'injustice. Il ne faudrait pas faire l'injustice également aux autres. Et le Coran vient donner des lois meilleures, des lois qui des, des lois qui ne soient pas réellement des fardeaux sur notre dos, mais des lois qui puissent nous conduire à notre perfectionnement al et vers l'infini qui est al le mutlaq qui est dit Allah Subhanahu wa Taala. Et dans le cadre de et de l'épanouissement et dans le cadre aussi de la volonté, de le respect total de la volonté de l'être humain. Donc, effectivement, l'être humain, est, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les êtres humains, lorsqu'il choisit, il choisit par des critères bien définis, les meilleurs des hommes, qui deviendront peut-être que des repères, des bons repères pour l'humanité tout entière. Et c'est ce que le courant de la la Le Prophète a été un bon exemple pour vous. Un bon exemple s'est trouvé dans le Prophète Muhammad Donc, lorsque la révélation est acceptée, il y a forcément des fruits et des retombées pour l'être humain. Première retombée, ce que l'acceptation de la révélation nous amène, parce que la révélation bénit, bannit effectivement l'oppression. Lorsque le prochain existe dans une société, il y a le déséquilibre. Déséquilibre social économique dans tout. Et effectivement, même psychologique. Le Coran vient nous interdire l'injustice et dans le but d'équilibrer une société bien construite avec les règles divines. Donc, en réalité, les besoins de l'être humain aussi dans ce bas-monde, le Coran essaie d'établir les besoins nécessaire et le besoin euh, premiers de l'être humain et essaie de, de le détacher de tout ce qui n'est pas aussi relié à sa personne. Parce que souvent l'être humain, on a la tendance de, de transformer ce qui est le besoin immédiat à un besoin secondaire, ou ce qui est besoin secondaire à un besoin immédiat. Et c'est ce qui n'est pas euh, de l'intelligence de l'être humain souvent de définir ces choses. Et la révélation et le Coran viennent nous établir eh, réellement les besoins immédiats, et les besoins importants de l'être humain et les besoins qui ne sont pas importants, qui sont secondaires. Donc, en réalité, qui, eh, immédiats, qui, ont, qui auront pour cause principale, effectivement, de nous conduire vers la perfection, Inch'Allah. Et cette perfection... En partant vers protection, nous, 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 nous produit effectivement l'augmentation dans la connaissance de Dieu. Lorsque on connaît Dieu, on s'approfondit, on se confie totalement et on devient un serviteur digne. Et la servitude totale s'installe dans nos comportements quotidiens, afin d'établir la justice, l'équité dans la religion musulmane et entretenir notre foi. Et parti vers Allah Subhanahu wa Taala l'éternel. Et effectivement, mes chers frères et sœurs, voici ce que nous avons pu établir pour vous. Dans les émissions passées et Inch'Allah que le Seigneur nous donne une bonne face et une bonne compréhension de ces sujets. Il y a aussi un sujet très important qui concerne en réalité la prophétie et les prophètes. Lorsqu'on parle souvent, l'infaillibilité des prophètes. L'infaillibilité des prophètes, c'est l'infaillibilité lorsqu'on parle de Al-Isma. Al-Isma avait dit quelque part d'interdire une personne, d'empêcher, de devenir un obstacle hein, pour une personne ou le protéger et protéger quelqu'un. Et vous pouvez trouver eh, ce sens-là littéraire dans le Saint Coran, lorsque le Coran nous dit, <mère étudiant> il dit, dit, qui, qui est celui-là même qui va vous sauver, vous protéger de l'enfer lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse s'adressera effectivement au mécréants le jour de la résurrection. Aussi concernant le fils de nous alayhi salam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre réellement ce qui était promis à la communauté de nous qui était la pluie et l'eau abondante et ça a été dit par, par le prophète Mohammed, il a dit comme ça à son fils, il dit Montre avec nous. Il a dit ceci. Son fils a répondu Et je vais aller me réfugier auprès hein, d'une montagne qui va me protéger de cette eau, cette vague d'eau. Et effectivement, cela veut dire al isma « Ya'asimouni, ya'asimoukoum » vient de ce mot « el isma » qui veut dire protéger, et c'est un obstacle pour un danger ou autre chose. Mais de façon technique, ça a été expliqué par les savants, ils ont dit comme ça « el isma », c'est-à-dire que le fait d'avoir une force hein, intérieure qui puisse... Et ça dit que c'est une force intérieure hein, qui est installée dans l'être humain, qui l'empêche de tomber en réalité dans les interdits et les erreurs, et aussi de commettre aussi les péchés et les interdits et les blâmables. Et c'est ce qui est appelé effectivement l'isma, c'est-à-dire que l'infaillibilité. Et, et, et cette infaillibilité, bien sûr, il y a quelque part une partie qui empêche l'être humain de, de commettre le péché. Il y a aussi cette capacité que Allah Subhanahu wa Ta'ala accorde aux prophètes de ne pas tomber dans les péchés. C'est tout à fait, pas seulement pour les prophètes de l'islam, pour tous les prophètes qui nous ont précédés. Donc effectivement, cette infaillibilité se divise en deux parties. Il y a cette infaillibilité majeure et la petite infaillibilité, c'est-à-dire l'infaillibilité euh, majeure, grande, et aussi la petite infaillibilité que nous parlons. La grande infaillibilité consiste réellement à croire que les prophètes n'oublient pas, ils ne font pas d'erreur, effectivement. Avant leur prophétie et après la prophétie. Et pendant la prophétie, bien sûr, ils ne font pas d'erreur, effectivement. Et ceci est, la majorité des musulmans ou la majorité des chiites qui acceptent, bien sûr, qu'il y a des gens, une minorité euh, qui n'accepte pas. Donc, il y a cela, mais la majorité est d'accord sur cette question. Il y a aussi euh, la petite, la quantité plus ou moins, eh, Lorsqu'on parle aussi de l'infaillibilité, l'infaillibilité, effectivement, dans ce cadre que le prophète, euh, dans le cadre de la révélation, il reçoit la révélation. Dans la réception de cette révélation, il ne fait pas d'erreur. Eh, il la reçoit et convenablement. Et aussi dans la euh, diffusion de ce message islamique divin. Il ne fait pas aussi de reste, donc il est ici infaillible dans la diffusion, dans la réception, dans la diffusion, et aussi effectivement dans l'application de cette lois. Il devient encore le prophète infaillible. Cela s'explique comment, pourquoi on dit cela. C'est important parce que lorsque les prophètes deviennent des exemples hein, pour nous, il se doit réellement de respecter aussi les recommandations qui se trouvent dans le Saint-Colomb. Il ne doit pas aussi des gens qui ont une bi biographie aussi souillée des péchés et de l'injustice ou de l'oppression. Donc, s'ils sont souillés de cette injustice, peut-être que quelque part, cette injustice commise avant la prophétie euh, allait les rattraper et quelque part. Et ça allait essayer de mettre vraiment en vain les efforts déployés par ces prophètes-là, seulement pour la cause de Dieu. Donc, c'est pour cette raison que nous avons dit que c'est une force, que c'est un don de Dieu, soit les prophètes avec les efforts qu'ils déploient chaque jour, ils puissent avoir cette force que Dieu puisse leur donner. C'est donc c'est un don divin. Et aussi de l'autre côté, avec leur propre, leur, leur propre volonté qu'ils puissent respecter certains principes de l'humanité, tel que la justice, etc., etc., tout ce qui va à l'encontre de l'humanité et puissent réellement respecter cela. Et le troisième point, c'est que la descendance des prophètes a eh, toujours réellement eh, profité de cet enseignement divin, de prophète au prophète, de la famille en famille, de père au fils. C'est pour cette raison, il fait partie de notre croyance chiite que tous les prophètes, l'ascendance de tous les prophètes étaient des musulmans, et était musulmane. Il n'y avait pas une ascendance parmi les grands-pères ou les grands-pères des prophètes directement, l'année directe, qui soit un mécréant et quelqu'un qui ne soit pas un musulman dans le sens large du terme. Oh Dans ce cadre-là, il est important, mes chers frères et soeurs, que nous puissions comprendre que ces prophètes-là ont été les petits-fils des prophètes, des prophètes et des imams, et etc., etc., des gens euh, qui avaient cette croyance en Dieu. C'est pour cette raison que vous verrez que le nom de notre prophète, le père de notre prophète, était Abdullah. Abdullah aujourd'hui qui est un nom islamique aussi, mais il s'appelait Abdullah, c'est-à-dire que le serviteur de Dieu. Il avait aussi son fils et son petit-fils, ils étaient sur la religion abrahamite, la religion de c'est-à-dire que la religion du monothéisme pur, et c'est ce qui a donné la naissance à notre venir le prophète. Effectivement, c'est pour cette raison, mes chers frères, -sœurs, il est demandé, quelque part, de, il est expliqué par certains musulmans que le prophète... Il avait une ascendance aussi mécréante, etc. etc. Ce n'est pas aussi fondé, mes chers frères de prophètes Le prophète avait des ascendants qui avaient cette connaissance, qui croyaient à l'unicité de Dieu, qui étaient des monesthéistes, aussi vrais. Donc, en réalité, mes chers frères de dans ce cadre-là, il n'y a pas de questions sur ce sujet. Ce qui est plus important aussi à signifier, mes chers frères de c'est que le secret, le fait que le prophète soit. Infaillible. Les prophètes sont infaillibles dans le cadre que, Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit des lois. La première personne d'abord voulant respecter ces ce lois-là, ça serait, réellement, serait le prophète, doit être le prophète, que les gens puissent voir à que cette loi qui a été menée par ce prophète soit applicable et léger pour l'être humain, que l'être humain est la force aussi, vrai. De respecter ces lois-là. Il y a aussi de l'autre côté, mes chers professeurs, aussi cet apport, cette assistance divine. Et c'est ce que nous avons dit, c'est une force que Allah accorde aux prophètes. C'est un don. Donc la question qui va se poser là pour nous dire que non, pourquoi pas, Dieu ne donne pas ce don-là, c'est un choix de Dieu. Lorsque Dieu Allah a choisi, n'ont pas de choix devant le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est important, ça fait partie des preuves de cette prophétie, cette infaillibilité, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, le livre, la révélation qu'il donne à ses prophètes, il se doit d'abord d'être véridique. Véridique, qui ne sont pas des, monstres, des, des menteurs. Donc le véridique fait partie de son message avant, et aussi après et pendant la, la, la révélation divine, qu'il doit être réellement des véridiques, des gens qui parlent seulement que la vérité. S'il si ne passe pas, parle pas la vérité, cela vient à l'encontre de l'objectif recherché par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc en réalité, eh, cela vient mettre eh, en cause sa révélation et aussi sa mission et sa personne.

Il dit les prophètes hein, Les prophètes Ne commettent pas de péchés C'est parce que Ils sont certes seulement Que des infaillibles Des purifiés Ils ne commettent pas de péché Vous voyez Les prophètes ne commettent pas de péchés Et ils sont réellement Déprouvés de tous ces erreurs là insha'Allah par Allah Subhanahu wa ta'ala mais ce qui se passe alors comme équivoque, il y a aussi à côté fa'asa adam rabba dans le Coran farawa. le Coran dit ceci que notre père Adam a péché et n'a pas respecté la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ash-shaytan anha aqraju huma c'est le shaytan les a détrompés et le fait sortir de ce paradis. Il faut comprendre que c'est la recommandation de, de, de divine et il y a deux sortes de recommandations divines. Il y a cette recommandation qui consiste en une obligation, une recommandation divine dans le cadre de la charia. Si l'on ne respecte pas, elle, consiste, elle est considérée comme étant bien un péché. Mais il y a cette recommandation qui reste comme un conseil, un consigne pour l'être humain. Et ça se trouve aussi dans les révélations, dans le hadiths du prophète. Où le Coran dit que tout ce que le prophète vous apporte, respectez-les, cramponnez-vous à ces recommandations, et aussi, et tout ce qui vous interdit, éloignez-vous-en. Donc en réalité, mais il y a des recommandations du prophète, ça ne reste seulement que des consignes pour nous en tant que des croyants, mais ce que nous ne faisons, nous ne faisons pas, nous ne respectons pas ces recommandations, ne, pas seulement, ne sont pas des péchés pour nous. Dans le cadre aussi, Adam, Adam était aussi dans les paradis. Le paradis, il n'y a pas de recommandations. Et effectivement, il y a eu des recommandations lorsqu'il est venu sur la terre et essayé de commencer une nouvelle vie, une nouvelle vie qui a été gérée par cette révélation divine, par la loi divine. Effectivement, mes chers frères et sœurs, c'est dans ce cadre-là que nous pouvons nous expliquer pour dire qu'Adam, ah ici-là, n'a pas péché, mais seulement... Il a la consigne qui a été restée, il n'a pas respecté. Et programmé par Dieu, ça a été une cause pour qu'il puisse réellement être sorti de le paradis pour mener une vie. Et c'est ce qui est la vie qui a donné la naissance à cette vie dans laquelle nous vivons. Le prophète aussi, effectivement, il a plusieurs manières d'éprouver sa prophétie. Il a premier, est premier, ce qu'il doit mettre réellement... De comparer, il doit comparer sa prophétie avec des choses Que les gens avaient l'habitude de voir avec les prophètes Et aussi de respecter la prophétie des prophètes précédents Et aussi envoyer et aussi des miracles Pour que les gens puissent l'accepter Et le miracle est produit Vient du prophète Muhammad wa sallam, par, Allah, par la volonté de Dieu Et nous allons essayer de nous, attaler, de nous étaler, Inch'Allah, dans la séance prochaine sur le miracle. Et qu'est-ce qu'un miracle Pourquoi le miracle Un miracle contredit réellement les lois qui gèrent cette nature dans laquelle nous vivons. Inch'Allah, nous allons essayer d'apporter un plus sur, sur ces enseignements, Inch'Allah. Et la séance continue jusqu'à la fin. Inch'Allah, que le Seigneur nous garde pendant longtemps, que nous puissions avoir les énergies, et les énergies nécessaires pour vous diffuser. Inch'Allah c'est cool. wa Asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.